tiens. Oui, il a la couleur locale. La couleur du piment de... D'Espelette. D'Espelette, parce qu'on est à Espelette, donc la capitale du piment. Les façades, elles sont couvertes de piments qui sont en train de sécher, traditionnellement. On va faire un petit tour dans toute la ville, photographier, filmer, vous montrer tout ça. J'ai acheté pour Cyril un bracelet, un peu l'esprit Pays Basque, comme ça. Ah, il est super lunette, hein. Regarde Maxence. Oh, t'en avais déjà eu des comme ça, non? Certain. Et la deuxième lunette. Maintenant, il faut trouver les cadeaux pour toi. Ah, t'as eu quoi alors? Une bague et un bracelet avec... Avec le symbole de basque. Eh oui, le symbole basque. Une de vos boutiques préférées? Oui, pourquoi? Parce qu'ils vendent les jambons. Le jambon cru. De Bayonne. Ouh, ça va être pour nous, ouais. On a le jambon du Pays Basque. On a acheté dans nos petites boutiques à Espelette, des baguettes, et c'est tout. Hein. Notre repas elle est vraiment très, très réduit, mais c'est de bonne qualité. Hein. Donc, après, tant pis. À table. Ah, là, c'est vraiment du top jambon haut de gamme. Il est comment, Maxence? Il est trop bon. Deux bandes noires. Il y a deux bandes noires, non? Non. Mais je vois qu'il y a le petit point rouge. Ah, il y a, ouais, Il y a le point rouge, d'accord. Donc il y a les deux bandes. Okay. Tu nous coupes pas la tête, c'est bon? Ouais. Okay. Bon, Carolina, on est où? À Espelette. Eh ouais, montre. Bonjour, c'est marqué. Ah, non, c'est pas marqué. Ah non, c'est pas marqué. Ah non, c'est pas marqué, Espelette. C'est là où on a acheté les trucs. Donc qu'est-ce qu'on va visiter dans ce petit film aujourd'hui? Les boutiques. Mais non, mais. C'est pas un film sur Espelette, on peut recommencer. Hein. Mais tu veux dire quoi? Qu'on est au Pays Basque et qu'on va visiter le Pays Basque et on commence par Espelette. Chérie, on va montrer quoi? Et on nous sent où? Alors aujourd'hui, on va vous montrer le Pays Basque. Enfin, une partie du Pays Basque parce que c'est très grand. On va visiter différents villages, Cambo-les-Bains, où on dort, où on habite. Et puis Espelette, derrière moi, c'est le château d'Espelette, un très beau village. Et puis aussi Saint-Jean-de-Luz. Voilà, et je crois que ça sera pas mal parce qu'on est là que 2-3 jours. Ouais. Voilà. Ouais. Et on a déjà acheté plein de produits. On a déjà acheté plein de trucs. Régionaux. T'es toujours assortie. Ouais. À chaque fois qu'on vient quelque part, elle est tout le temps assortie. Ouais. Sans faire exprès. Il n'y a plus qu'à s'acheter le drapeau basque. Regarde. Ouais.